Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Bonsoir Daniel. Bonsoir Charlène. Bonsoir Christelle, ça fait plaisir de vous voir. Comment ça va? Alors, on est parti pour un nouveau live aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis en direct de Finlande, de la ville d'Helsinki. Et du coup, je suis dans une autre scrap room. Ce n'est plus ma scrap room, c'est vraiment le studio dans mon, de mon travail. Du coup, vous pouvez le voir juste derrière, ici. Et du coup, on est parti pour une petite soirée sur la thématique Finlande. Alors, j'ai pas forcément préparé grand-chose dans le sens où, comme j'ai voyagé, j'ai pas beaucoup de matériel avec moi, vous allez le voir. Mais on va essayer de s'amuser ensemble et de créer une carte tous ensemble. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis c'est parti. Alors, je vous présente mon nouveau bureau. Alors mon bureau, il est tout petit. C'est vraiment un tout petit bureau ici, mais on va réussir à se débrouiller. Et voici la carte que l'on va faire ce soir. Alors c'est une carte toute simple. L'idée, c'est vraiment de pouvoir la faire sans beaucoup de matériel. Alors dans l'idée, c'est vraiment juste couper du papier, faire un beau montage. Et du coup, c'est une carte qui va s'ouvrir et qui va se déployer comme ceci et qui va justement vous montrer un joli paysage. Bonjour, bonjour Pat, bonjour Jocelyne, bonjour Sylvie, bienvenue. Alors pour cette carte-là, on va avoir besoin de papier. Alors j'ai pris le soin de sélectionner des papiers de la collection Balade en carrousel. Parce que ce sont des décors qui me font vraiment penser à la Finlande. La Finlande, c'est beaucoup de forêts comme ceci. C'est beaucoup de paysages enneigés, des lacs et des vues comme ceci, vraiment très enneigées. Et je me suis dit que ça faisait vraiment une belle thématique pour pouvoir faire justement une carte type finlandaise. Comme l'hiver va bientôt arriver ici en Finlande, c'est vraiment l'idéal de pouvoir célébrer ça. Et du coup, en plus de ce live, on va apprendre quelques petits mots en finlandais, si ça vous dit. Ça me fera plaisir de vous apprendre cette partie de mon travail et de ma vie, on va dire, qui se situe aussi en Finlande. Du coup, pour ce soir, il va nous falloir, alors, 3 feuilles à 4. Alors, 2 dans une couleur. Moi, j'ai pris une couleur bleu nuit. Et une dans une autre couleur. Alors, moi, j'ai pris aussi mystérieuse brume.
Alors, je vais tricher un peu du fait que j'ai pas beaucoup de matériel et comme j'ai déjà préparé une carte, comme je n'ai pas deux feuilles de A4 similaires, je vais prendre des feuilles DSP qui sont ici. Et du coup, je vais en prendre quelques-unes comme ça, qui ont un fond bois justement, qui font penser au sauna finlandais justement. Et du coup, ça va me servir notamment de fond. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez varier votre carte, à utiliser un papier, que ce soit en 15-15 ou en 30-30, mais qui sert de fond. Alors, ce ne sont pas des vues, là, il y a vraiment les animaux et tout ça. On va vraiment utiliser le côté fond pour remplacer l'une des feuilles de papier ici. Et je vais avoir besoin de plusieurs autres de papiers DSP. Alors, je suis parti sur des formats 15-15, puisque ce papier, il est vraiment très joli. Et j'ai vraiment envie de mettre en avant sur le devant de la carte les forêts finlandaises. Et dans l'idée, c'est qu'on va utiliser les deux côtés de ce papier-là. Alors, on a une belle vue enneigée d'un côté, et on a le côté forêt. Et du coup, cette vue enneigée que j'ai ici, eh ben, elle se marie très bien, on va dire, avec la vue sur la petite maison qui est ici. Alors, j'essaye de le mettre bien au niveau de la caméra. Donc cette petite maison enneigée, je trouve que les deux ensemble, ça se marie très bien et ça va vraiment s'accorder avec la carte. Et ce que j'aimais bien avec cette vue ici, c'est que c'est une vue de nuit et on a vraiment l'impression que ce sont les deux mêmes maisons ici, mais on a une vue rapprochée de nuit. Et du coup, je vais vous montrer un petit truc sympa à faire sur cette carte pour justement jouer sur le côté jour et nuit. Ce papier-là, il est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup le côté dessin comme ceci. Et si vous m'avez suivi sur Facebook ou Instagram, je me suis amusé notamment à me balader sur Helsinki, justement, dans le centre-ville et tout autour. Et du coup, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Et j'ai réussi à reproduire à peu près ces vues-là. Donc quand on voit des petits lacs avec des maisons ou des forêts, j'ai essayé de replacer dans le contexte, justement, les différents papier de cette collection-là, c'était très sympa à faire. Et du coup, voilà. Alors, je vous laisse préparer votre matériel et du coup, on va apprendre un petit peu de finlandais en même temps. Hein. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour en finlandais? Ça va être très simple. Bonjour, ça se dit moi. Et savez-vous comment on dit au revoir en finlandais? Ça se dit moi, moi. Donc on dit une fois moi pour dire bonjour, on dit moi moi pour dire au revoir. Ces quelques premiers mots en finlandais, je vais faire une interro surprise à la fin du live. Vous avez intérêt de les noter et de toutes les retenir, hein. Du coup, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes celles qui m'ont rejoint, Christelle, et j'ai dû louper quelques personnes, alors je vais essayer de les saluer quand même. Il y a Tulip Beauté Betty Blue. Oh, c'est un joli surnom. Daniel qui est ici. Sylvie et Jocelyne que j'ai déjà saluées. Du coup, bienvenue. On est parti pour cette carte-là. Donc, je vous la remontre. C'est une carte qui est toute simple, qui va s'ouvrir comme ceci et qui va se déployer. Et du coup, on va utiliser les papiers de la collection Balade en carrousel. Alors, c'est parti. Pour commencer, on va prendre. Alors, je vais mettre mes papiers de côté. Comme ma petite scrap room, elle est toute petite, j'en profite pour faire de la place. Voilà. Du coup, je vais commencer par mon premier A4 qui est en bleu nuit. Alors, ce papier A4, on est censé le mettre en sens paysage. Alors, on se souvient toujours que notre coupe-papier, il a un outil qui coupe et il a un outil qui plie. Alors, on ne se trompe pas et c'est vraiment l'outil qui coupe que l'on va utiliser. Alors, ce papier A4, je vais vous demander de le mettre en sens paysage comme ceci et de l'aligner à 14,5, juste là. Et je vais vous demander de le couper. Alors, je ne vais pas le faire puisqu'il me manque une feuille, mais vous le coupez à 14,5 dans ce sens-là. Et ensuite, en le prenant le morceau que vous aurez coupé dans l'autre sens, vous allez le couper à 10,5. Donc, vous le mettez à 10,5 et vous coupez. Ça va vous faire notamment deux morceaux comme ceci, qui font 14,5 par 10,5. Juste ici. Alors, je vais vous le mettre sur un petit post-it. J'ai quand même pris mes petits post-it avec moi. Alors, je vais essayer de faire de la place. J'ai fait deux morceaux qui sont à 10,5 par 14,5, juste là. C'est les deux premiers morceaux que je vais utiliser. Alors, on va prendre un de ces deux morceaux-là. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le couper deux fois. On va le placer
ici sur la gauche à 3 cm, sur la droite, excusez-moi, à 3 cm du coup, ici, et je viens couper. Ça va me faire une petite bande comme ceci. Et je vais le refaire une deuxième fois. Hop, à 3 cm, et je coupe. Ça me fait 2 bandes ici. Donc on n'oublie pas, pour dire bonjour on dit moi, pour dire au revoir on dit moi moi, c'est très simple. Alors ces deux morceaux-là, ils font 3 cm par 14,5, je vais essayer d'écrire plus grand, centimètres, et on en fait deux ici. Est-ce que c'est assez visible pour vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le pose ici. Hop. Et du coup, on va continuer. On va prendre, du coup, notre petit bout ici ne sert à rien, on peut le mettre de côté pour le moment. On va prendre la deuxième feuille A4 de la même couleur. Et cette feuille-là, du coup, que je ne me trompe pas, on va venir la couper à 12 cm dans le sens portrait, ici. Alors je m'aligne à 12 cm ici sur la gauche. Et je vais venir couper mon papier en 2 morceaux, comme ceci. Donc je l'ai coupé à 12 cm. Je vais le placer en sens paysage et cette fois-ci on va plier. On va plier dans un premier temps à 7,4 cm, juste là. Hop, un premier pli à 7,4. On continue à 14,8. Alors je m'aligne ici, 14,8. Je fais mon deuxième pli. On avance, on continue à 22,2. Alors je m'aligne ici à 22,2 et je fais un pli. Ça me fait 3 plis. Alors je ne sais pas si vous pouvez les voir bien comme il faut à la caméra. J'en ai un ici, un là et un là. Alors je vais vous marquer les mesures. J'ai pas beaucoup de place, mais on va essayer, hein. Alors mon petit post-it, il est visible ici. Mon papier, il fait 29,5. 7 cm par 12. On l'a coupé à 12 cm. Et les plis, on les fait à 7,4, 14,8 et on les fait à 22,2 ici. J'espère que c'est suffisamment visible. Alors, je vais être sympa. La petite interro surprise, comme vous avez l'air motivé pour apprendre le finlandais, ce que je vous propose, c'est de mettre en jeu une tablette de chocolat finlandais. C'est l'un des meilleurs chocolats qui existe. Et du coup, celle qui aura la meilleure réponse et qui m'enverra une photo de sa création, de sa carte, du coup, fait suite à ce live, si possible avec une thématique justement sur la Finlande. Vous pouvez choisir n'importe quel papier, mais il faut que ça fasse des paysages enneigés ou des forêts. Et du coup, je choisirai par tirage au sort l'une de vous qui gagnera du coup une tablette de chocolat finlandais que je vous enverrai. Comme ça, vous pourrez avoir un petit bout de Finlande justement avec moi. Et du coup, on avance avec notre petite leçon de finlandais. Comment on dit merci en finlandais? On le dit kiitos. Alors voilà, ça vous fait un troisième mot. On dit bonjour, moi. Au revoir, moi moi. Et pour dire merci, on dit kitos. Alors là, la dernière mesure, c'est 22,2, Charlène. Juste ici. 22,2. Ça, c'est pour les papiers qui sont dans la première couleur. Alors ce morceau-là, on ne va pas en avoir besoin. Je le mets de côté. Du coup, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est que il va falloir avoir une autre feuille A4 ou prendre un papier DSP qui vous servira de fond. Alors moi, je vais utiliser ce papier DSP-là plutôt que ma feuille A4 ici pour pouvoir justement avoir un effet bois justement. C'est ça qui va m'intéresser. Et du coup, je vais venir le couper plusieurs fois. Alors vous faites le choix que vous voulez. Si vous partez sur une feuille A4, vous prenez la feuille A4. Sinon, vous prenez un format. Alors, si c'est en 15-15, il vous en faudra 3 feuilles. Sinon, ça sera une feuille de 30-30
Et de toute façon, les découpes se feront toutes de la même façon. Donc moi, je vais partir sur ce papier-là. On est parti? Dans ce papier-là, c'est simple. Il nous faut 5 fois des morceaux qui font 11,5. Alors moi, je vais me placer comme ceci pour avoir mes rainures en sens portrait. Donc je me mets à 11,5 ici. Et du coup, dans l'autre sens, on vient le couper à 7 ici. Hop, j'ai un premier morceau comme ça qui fait 11,5 par 7. Alors, je vais le noter sur un post-it directement. Donc, ça nous fait un morceau qui fait 11,5 par 7 cm. Et on en fait 5. Donc, c'est parti. Je le pose ici, mon post-it. Vous avez un premier papier qui est ici. Du coup, je prends le reste de mon papier et je me mets à 7. Hop, je m'aligne. Et je fais mon deuxième morceau. Hop, j'ai deux morceaux. Je reprends une autre feuille et je continue. Alors, 11,5, on a dit. Hop, et je vais être malin. Je vais le tourner dans l'autre sens. Comme ça, ce ne seront pas les mêmes bois exactement. Hop. Alors, c'était à 7 que je vous ai dit. Je coupe à 7,5, ça va pas. 7 ici. Hop. Un morceau de 11,5 par 7. Je vérifie pour être sûr. 11,5 par 7, juste là. Ah, ben les voyages en Finlande, c'est vraiment des très beaux voyages, hein. Moi, j'adore voyager en Finlande, justement parce que. Je travaille notamment en Finlande. Et du coup, c'est vraiment un pays que j'adore énormément. Ça va faire 8 ans que je travaille en Finlande et que je voyage de temps en temps de la France à la Finlande. Hop, 11,5 par 7, je revérifie pour pas dire de bêtises. 11,5 par 7, j'ai mes 5 morceaux juste ici. 5 morceaux qui font 11,5 par 7. Alors je les place là. Et hop, mon petit post-it par-dessus. Comme ceci. Alors, début de l'interro surprise, comment on dit bonjour? Essayez de le dire en commentaire. Comment on dit au revoir? Et comment on dit merci en finlandais? Pendant ce temps-là, moi je prends mes petits bouts de papier qui ne me serviront pas et je les mets de côté. Hop, que je me trompe pas. Hop, voilà. Exactement, on dit moi pour dire bonjour. Alors moi je vais continuer. Moi pour dire au revoir, c'est bien, vous avez suivi. Je vais prendre du coup un des papiers DSP. Et je vais m'en servir pour faire le devant de ma carte. Alors je vais vouloir utiliser les deux côtés. Donc j'ai choisi un papier où les deux faces me vont. Celle-ci, ça va être ma face intérieure. Et là, ça va être ma face extérieure avec la forêt finlandaise, justement, comme ça. Du coup, ce papier-là, on va venir le couper à 14,5 par 10,5. C'est exactement le même que le bleu que l'on a fait ici. Sauf qu'on le fait dans la couleur DSP cette fois-ci. Donc je m'aligne ici à 10,5, comme ceci, et dans l'autre sens à 14,5, juste là. Ça me fait exactement le même papier. Alors c'est un peu le bazar sur ma petite scrap room. Hop, ces deux papiers-là, ils font la même taille. Il y en a un qui est en fond bleu uni. Et l'autre, je l'ai pris en DSP avec le côté forêt. Ça va être le dessus de ma carte, juste là. Alors, j'ai vu plein de fautes d'orthographe dans la manière dont vous avez écrit, hein, mais il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'apprendre à prononcer les choses. Alors, on continue. J'ai fait le devant de ma carte. Alors, moi, je vais prendre plusieurs DSP. Vous prenez les DSP que vous voulez, bien sûr, hein.
Du coup, là, j'ai 3 DSP qui vont me servir de un visuel à l'intérieur de ma carte. J'en ai un que je garde pour faire mon petit côté nuit, justement, et j'en ai pris deux qui vont me servir pour mon côté jour. Et il va nous falloir, du coup, que je dise pas de bêtises, il va nous falloir, du coup, 3 morceaux d'un des DSP, deux de l'autre, et ils vont faire 11 par 6,5. Alors je me place ici à 11 dans ce sens-là. Alors je choisis le sens que je veux. Là, moi, je veux avoir les maisons en avant. Est-ce que je préfère avoir la neige? Non, je préfère avoir les maisons. C'est quand même plus joli. Donc je m'aligne et je viens couper à 11 ici. OK. Et on vient le couper à 6,5. Alors je vais venir le couper dans un côté. Ici à 6,5 et je vais venir le couper de l'autre côté pour ne pas avoir la maison en entier. Ici, ça va vraiment me faire deux petits bouts de maison qui sont séparés sur chacun des petits papiers. Et le milieu de la maison, ben, je l'ai découpé ici. Je l'enlève. Ici, ça m'en fait deux. Je reprends une de mes feuilles ici et du coup, toujours dans la même idée, on vient le couper à 11 ici. Hop. Et moi, je vais tricher un petit peu. Plutôt que de recouper à 6,5 et d'avoir une moitié de maison, je vais vouloir essayer d'avoir les deux maisons côte à côte. Alors, je vais couper d'abord un bout pour enlever l'arbre. Et ensuite, je viens à 6,5 ici. Alors, il me reste encore un peu de marge. Je peux enlever un petit centimètre, je pense. Ici. Voilà. Et du coup, je m'aligne ici à 6,5. Hop. Comme ça, j'ai une des vues qui a les deux maisons dessus. Tout à l'heure, j'ai découpé les côtés de la forêt qui avaient du coup un petit bout de maison de chaque côté. Mais ma partie du milieu, je vais vouloir avoir les deux maisons au milieu. C'est ça qui va faire le côté sympa sur ma carte. Hop. Du coup, j'en ai trois de cette collection-là. Et du coup, je vais prendre mon dernier papier qui est du coup en côté nuit, justement, pour faire le côté sympa. Du coup, je viens le couper à 11,5. J'essaye d'avoir toute la maison. C'est mieux. Alors, je vais enlever une petite marge, pareil. Et je dis des bêtises, c'est à 11, pas à 11,5, hein. Hop, j'enlève une petite marge. Pour bien avoir la maison, je me mets à 11 ici. Ça passe. Hop, j'ai toute ma maison qui apparaît comme ceci. Et du coup, je vais venir couper deux morceaux qui font 6,5 toujours. Ici, la maison, elle est coupée en deux à 6,5. Comme ceci. Ça me fait au total 5 morceaux ici que j'ai choisis dans deux collections. Et du coup, ces morceaux-là, pour vous redire les mesures, ils font 11 par 6,5 cm. Et du coup, il y en a 5 au total. Ici. Hop là. Est-ce que vous voyez bien? Bonsoir à tous les nouveaux. Toutes les nouvelles. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, on va continuer. Hop. Est-ce que vous savez dire en finlandais? Excusez-moi. Ça va être un petit peu plus dur cette fois-ci. Ça se dit anteeksi. Donc quand on est dans la rue et qu'on veut demander quelque chose à des gens, on dit anteeksi pour dire excusez-moi. On essaye d'être un peu poli quand même en finlandais. Donc vous connaissez quatre mots normalement. Bonjour, ça se dit moi. Bonsoir. Ah, au revoir, ça se dit moi moi. Merci, ça se dit kitos. Et excusez-moi, ça se dit anteeksi. J'espère que vous les retenez tous, hein. C'est un peu comme en taxi, mais c'est anteeksi avec un E à la place du A. Anteeksi. C'est comme si on parlait français, mais avec un accent en fait. Il demande le taxi en fait. qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Alors je vais reprendre. Alors je l'ai mis où?
que je regarde, que je ne me trompe pas. Hein. Normalement, j'ai un petit bout ici que j'ai découpé. J'ai toutes mes petites découpes. Ce petit morceau-là, qui fait du coup 14,5 par 10,5, on a coupé un bout sur le côté. Ce petit bout-là, on va s'en servir. On va venir couper un morceau à 14, ici. Donc il faut que ça soit le même fond que le devant de la carte, en fait. Et on va venir le couper dans l'autre sens à 2,5. Juste là. Ça fait vraiment une petite bande, comme ceci. Une petite bande de neige pour moi, que je vais poser ici. Alors le reste, j'en ai plus besoin. Je vais vous mettre cette mesure-là. Hop, mon petit post-it ici. Du coup, celui-là, il fait 14 par 2,5. J'espère que vous arrivez à suivre avec le décalage. Il faut savoir que en Finlande, il y a du coup une heure de décalage. Pour moi, il est 19h53 actuellement. Donc j'ai failli louper le live quand même d'une heure. Mais j'ai réussi à gérer et à être à l'heure pour l'heure française, on va dire. Alors, on fait le tour de tous les papiers pour être sûr que j'ai bien tout. J'ai mon grand morceau ici qui fait 29,7 par 12. On l'a plié à 7,4, 14,8, 22,2. Il est ici. J'ai mes deux petites bandes. Je vais enlever les post-it, hein. Les deux petites bandes qui sont ici qui font 14,5 par 3. Deux petites bandes de la même couleur. Je les pose ici. Et j'enlève mes petits post-it. Hop. Ça, c'est fait. J'ai un autre morceau qui fait cette fois-ci 14,5 par 10,5 ici. Hop. J'ai un morceau avec du coup un fond qui va servir pour le devant de ma carte. Et du coup, il fait pareil, 14,5 par 10,5. C'est la même taille que celui-ci. Hop là. Dans le même papier, mais retourné, j'ai fait un morceau de 14 par 2,5 ici. J'ai coupé, alors j'enlève mes petits post-it en même temps, hein. J'ai coupé 5 vues. Alors j'en ai choisi 3 dans la journée et du coup 2 qui représentent la nuit. Et du coup, ces morceaux-là, ils font 6,5 par 11. Ici, j'en ai 5 au total. 3 d'une couleur et 2 de l'autre. Et du coup, j'ai soit un papier uni, soit un papier DSP qui sert de fond. Ici, j'ai 5 morceaux qui du coup font 11,5 par 7. Ce sont tous les papiers que l'on va avoir besoin ce soir. Alors je vais les empiler un petit peu pour pouvoir gagner un peu de place sur mon petit bureau. Et ça vous laisse le temps de tout bien préparer de votre côté. Au moins, vous allez les retenir, ces mots finlandais avec les petites blagues que l'on se donne. C'est rigolo. Alors, je vais prendre dans un premier temps, pour faire ma dernière découpe, ce papier-là. Donc, je rappelle, il fait 29,7 par 12. On est venu le plier 3 fois ici. Il y a un morceau qui est légèrement plus grand de 1 mm, mais ce n'est pas grave que vous le choisissiez dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance. L'idée, ça va être de venir y tracer une découpe qui part de l'angle en bas à gauche et qui vient jusqu'à l'angle que forme le premier pli. Alors je vais le placer dans mon coupe-papier comme ceci. Et du coup, dans l'idée, j'essaye d'aligner le pli qui est ici en haut avec la rainure et le bas, l'angle en bas avec la rainure aussi pour avoir la diagonale comme ceci. Une fois que je suis bien aligné, je ferme et je coupe. Ça va m'enlever un triangle comme ceci. Ce triangle-là, on n'en a plus besoin. Je le mets de côté, mais du coup, ça me fait mon morceau comme ça, avec une partie triangulaire, comme ceci. Je vais pouvoir ranger mon coupe-papier puisque je ne vais plus en avoir besoin. Hop, je le mets de côté. Ça va me faire un peu plus de place pour pouvoir tout vous montrer. Du coup, j'étale tous mes papiers, comme ceci, et vous allez tout avoir de visible. Voilà. Alors, que j'essaye de voir. Cette fois-ci, je vais prendre mon plioir en os. Alors, j'ai dû m'en acheter un en Finlande puisque j'avais oublié de prendre le mien.
C'est ballot, hein? Du coup, je vais venir plier le triangle ici. Alors, on fait bien attention à l'angle, de bien le plier pour que ça fasse un bel angle droit. Et on va venir marquer le pli ici. Comme ceci. On va faire le deuxième pli, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fait un pli dans un sens montagne, on fait l'autre pli dans un sens vallée. Donc j'ai commencé par une vallée, donc j'ai fait une montagne. Et le dernier pli, je fais une vallée. Hop. Comme ceci, ça va faire un papier accordéon. Juste là. Mon papier, il est plié en accordéon, comme ceci. Alors pour bien marquer les plis, on va tous les retourner, on va les remarquer à chaque fois, encore deux fois, pour être sûr de bien les marquer. Hop, sans déchirer le papier, bien sûr, hein. On appuie et on marque. Et je retourne pour revenir dans le bon sens. Hop. Comme ça, ce sera fait. Le fait de marquer les plis, c'est important pour que la carte elle puisse bien se fermer. Bonsoir Nicole, bonsoir tout le monde. Voilà ma carte accordéon. Alors vous voyez mon accordéon, le triangle, il est en vallée. Ensuite j'ai une montagne et ensuite j'ai une autre vallée ici, comme ceci. Ça c'était vraiment le seul pli que l'on va avoir besoin du coup sur cette carte-là. Et maintenant on va commencer le montage. Alors pour le montage, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un tube de colle, forcément. Alors, ce morceau-là, ça va être le fond de notre carte, juste ici. Donc, on s'en occupera tout à l'heure. Par contre, le devant de notre carte, on va s'en occuper tout de suite. Du coup, j'ai choisi d'avoir les forêts devant. Donc, le côté enneigé sera derrière. Je vais le placer du bon côté, ici. Et mes deux petites bandes bleues qui sont là, je vais venir en coller une superposée par-dessus, ici. Elle fait pile poil la même taille. Du coup, je vais venir encoller mon papier sur l'une des faces ici, ma petite bande bleue. Hop. Et du coup. Je vais venir m'aligner sur mon papier ici pour que les angles soient bien alignés avec la petite bande. Alors forcément, ça glisse un peu sur ma table, mais vous allez y arriver comme il faut. Hop, je reprends ma feuille vite fait avant que ça sèche et j'aligne bien comme il faut ma bande. Voilà, elle est bien alignée sur le côté. Ça va donner l'impression que ça fait une couverture de livre justement. Hop. Je peux prendre le plioir en os et je peux appuyer légèrement pour bien étaler la colle. La deuxième bande, pareil, on va l'encoller sur une face, ici. Hop. Pas besoin de trop de colle non plus. Je la mets ici. Je prends ma petite face et du coup je vais retourner mon papier. Et l'idée c'est vraiment de venir coller cette deuxième bande au même endroit où j'ai fait la première bande. Donc j'ai ma bande qui est ici, je vais venir la coller sur ce côté-là pour que les deux bandes soient du même côté. Hop. Elles sont chacun sur une face, mais elles sont toutes les deux au même endroit. Vous voyez? Ça fait vraiment une couverture de livre, comme ceci. Hello Jesse, Jesse qui est un de mes collègues finlandais. Alors si vous lui parlez dans les commentaires, il va comprendre. Donc n'hésitez pas à lui dire bonjour dans les commentaires maintenant que vous savez dire bonjour. J'ai ma couverture de livre qui est faite. J'ai une petite bande ici. Alors c'était le même papier, on se rappelle, comme ceci, mais elle est plus petite. Et ben je vais choisir de la mettre sur l'autre face et je vais venir faire le devant de ma carte. Je vais le mater ici. Pour que ça soit très joli. Du coup, je vais venir actuellement. Attendez, parce que moi j'ai des petits râpes de papier, mais plutôt que de prendre ce papier-là, je me dis que je prendrais bien du bois.
Ça pourra faire une belle couverture en bois. C'est ce que je vais faire plutôt que de prendre ce papier-là. Alors moi, je vais refaire une petite découpe, mais normalement, vous avez votre papier qui est prêt, hein. Hop, petite découpe vite fait. On improvise un petit peu. On va faire du 14. Ici, cette bande-là, elle fait 14. Ici. Par 2,5. J'adore voir comment vous écrivez en finlandais. Je suis pas sûr qu'il comprenne, mais au moins il va voir tous vos messages. Ça lui fera plaisir. Hop, regardez. Ma petite bande ni vue ni connue. Je remplace ma petite bande de forêt ou de neige par une petite bande qui est couleur bois. Et je vais venir la placer ici justement. Alors attendez. Je me serais pas un petit peu loupé quand même par hasard? Ma feuille, elle n'est pas très droite. Je recommence. Ni vu ni connu, mais ça vous laisse le temps de bien préparer tous vos découpes. Si vous êtes en retard, il n'y a pas de souci. Moi, mon papier n'était pas forcément bien mis droit. Alors, comme j'ai des chutes, eh ben, j'en profite. Hop, 2,5 ici. Normalement, là, c'est plus. Ça sera mieux. Là, mon papier, il est beaucoup mieux. Voilà, ni vu ni connu. C'est celui-là que je vais prendre. L'avantage des petites chutes, c'est que quand on ne peut pas utiliser une chute quand on l'a loupée, eh ben, on en utilise une autre. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais venir l'encoller, justement, ce petit papier, ici. Alors, on va apprendre un petit peu plus de finlandais. Est-ce que vous savez dire comment on dit la France? En finlandais, ça se dit Ranska. Ranska. Je crois qu'ils nous aiment pas beaucoup, hein, parce que c'est pas très beau comme mot pour dire la France. Mais bon. Hop. Voilà. J'espère que vous prenez des notes avec tous ces mots-là, hein, parce que, oh, très honnêtement. Il va y avoir ce petit jeu concours à la fin, ça va être très drôle. Alors j'ai collé ma petite bande ici, voilà, j'ai fait ma couverture. Alors je vais m'occuper maintenant de coller mon mécanisme. Alors mon mécanisme, je vais prendre mon fond qui est neutre ici. Et mon mécanisme, dans l'idée, je vais venir le coller en bas, centré ici. Donc il est aligné en bas ici, mais il est centré des deux côtés. Et mon triangle, vous voyez, il se déplie sur la gauche, comme ceci. Rince-ca. Rince-doigt bientôt. Hein. Du coup, je vais venir encoller la face du fond de mon mécanisme ici. Ça m'amuse de vous apprendre le finlandais puisque je sais que mes collègues finlandais vont vouloir voir la vidéo demain. Donc ils verront vos commentaires et ils pourront bien rire sur la manière dont les Français parlent le finlandais. Du coup, j'ai encollé mon papier ici. Je vais venir le coller, donc je vous ai dit, en bas aligné. Et j'essaye de centrer des deux côtés pour que ce soit bien comme il faut ici. Il est en bas, il est bien aligné. Voilà. Et il est centré, je peux l'ouvrir et je peux venir étaler la colle toujours avec mon plioir en os, comme ceci. Et Patricia, elle sait très bien l'écrire. Je pense que vous avez regardé sur Google Translate, je pense. Hop, mon mécanisme, il est fait pour le fond de ma carte, comme ceci. Mais pour le devant, on va tricher un peu. Alors moi, j'ai pris que des gros stampings dimensionnels comme ceci. Mais si vous avez des bandes du coup qui est de mousse 3D, vous pouvez venir placer une bande sur les deux lignes ici de ce triangle. On laisse la diagonale libre. Si vous n'en avez pas, vous prenez des stampings dimensionnels comme moi et vous allez venir en mettre un ici. En bas. Alors j'essaye de faire que le stamping dimensionnel, je sais pas si vous voyez bien, que là ça soit bien aligné droit pour que ça soit joli. Ici. Je vais en placer un autre en bas ici. Et celui-là, vous voyez, je l'ai tourné pour que ça vienne buter en bas comme ceci.
Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais en rajouter un sur le bas, toujours dans le bon sens, et un dernier, ou même deux derniers, hop, sur le côté, comme ça, je vais en mettre deux. L'idée, c'est vraiment de dessiner un espace, puisque ça va nous créer une pochette juste ici. Du coup, comme j'ai pas mon outil touche-à-tout, je suis obligé de le faire avec les doigts, mais sinon, vous prenez votre outil touche-à-tout et vous enlevez les glacines, comme ceci. Hop là. Et dans l'idée, c'est qu'on va venir coller le dessus. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on aligne avec le bas, bien sûr, comme ceci. On fait en sorte de bien aligner d'abord le bas. Hop. Une fois que c'est aligné, on vient coller sur les stampings dimensionnels et ça nous crée un livre comme ceci. Alors, j'appuie bien pour que les mousses s'accrochent bien comme il faut. Et du coup, quand ça s'ouvre, hop, ça me fait un livre qui se déploie. Alors le livre, il est ouvert sur les deux côtés, c'est normal. Mais du coup, ça se déploie comme ça. Et ce qui est bien ici, c'est que vous avez la place normalement pour pouvoir y glisser une petite photo, pour pouvoir y glisser une carte cadeau. Donc ça peut être une carte sympa pour Noël, justement. On continue dans les petits cours de finlandais, attention. Un peu plus compliqué, comment on dit je t'aime en finlandais, parce que forcément vous avez envie de me dire je t'aime après que je vous ai montré cette carte finlandaise. Alors je t'aime, ça se dit Minna Rakastan Sinua. Minna Rakastan Sinua. Minna c'est je, Rakastan c'est M, et Sinua c'est toi. Minna Rakastan Sinua. Celui-là, ça va être un peu plus compliqué de l'écrire, mais j'espère que vous arrivez à prendre des notes. On continue sur cette carte-là. Si vous regardez bien, ici, quand je l'ouvre dans ce sens-là, j'ai trois morceaux ici. Quand je retourne ma carte, j'en ai deux ici. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y mater à chaque fois un morceau de notre papier DSP. Moi, j'ai pris le bois, mais si vous avez pris une couleur unie, vous venez mater votre papier. Donc mater, c'est le fait de centrer le papier sur l'autre papier. Donc je viens en coller mon papier. Hop. J'essaye de ne pas trop mettre de colle. Hop là. Vous n'êtes pas prêts de m'aimer, c'est tellement compliqué. Mina Ragastan Sinoa. C'est simple pourtant. Après, moi, ça va faire 8 ans que je suis là, donc c'est normal que je commence à apprendre quelques mots. Après, moi, je connais que quelques petits mots, hein. Je connais pas forcément tout le finlandais. Ça reste du charabia pour moi. Hop, j'en ai maté un premier ici. Je vois que Christelle, elle, elle-même, elle le met dans les commentaires. On continue. Le deuxième papier ici, ça va faire très joli. Ce côté bleu et bois. Je suis content de cette idée. Hop. Ici, je viens mater sur la deuxième face. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas forcément le même bois, le même sens, il y a différentes couleurs, vous voyez. Ben, je vais garder le sombre, par exemple, pour la face nuit, justement. Ça va être sympa. Hop. Un troisième. Un peu de colle comme ceci. Mina Ragastan Sinoa. Bien joué Jocelyne. Tu y arrives. Hop. Je viens le coller ici, sur la troisième face. Catherine, tu pourrais faire un effort, tu pourrais m'aimer quand même. Moi, à bientôt, merci d'être venu sur le live. Mes deux petits morceaux, j'ai retourné ma carte, je vais venir les mater ici. C'est parti. C'est vraiment une carte qui est simple pour pouvoir être faite
Même quand vous avez peu de matériel, il vous suffit d'avoir un coupe-papier, un peu de colle et des belles feuilles de papier, justement. Et ça vous suffit pour faire une carte. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir énormément de matériel pour faire une belle carte. Hop là, j'ai encollé mes deux papiers, alors vous ne l'avez pas forcément vu, mais du coup j'en mets un ici, je viens le mater. Voilà. Je tiens à vous dire que ça me fait sortir de ma zone de confort quand même de faire un live en dehors de ma Scrap Room, c'est pas forcément pareil, j'ai pas tout mon matériel à côté, c'est vraiment différent le fait de faire sur une toute petite table et tout ça, donc j'essaye de vous proposer quelque chose, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Pas de soucis, Jocelyne. À bientôt, moi moi. Du coup, quand je l'ouvre, j'ai mes trois morceaux de bois ici. Quand je retourne, j'ai mes deux autres morceaux de bois. Ça fait vraiment une carte comme les saunas finlandais. C'est ce que j'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez le sauna? Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller dans un sauna? C'est quelque chose de très typique finlandais, justement, le sauna. D'aller se mettre dans le sauna, donc c'est jeter de l'eau sur les pierres chaudes pour vraiment avoir chaud. Et en général, ce que l'on fait, comme il fait très froid en Finlande, souvent on essaye d'aller soit se jeter dans de la neige, ou si on peut, s'il y a un lac, s'il y a un bout de mer à côté, on va se plonger dans la mer, et ça m'est déjà arrivé de le faire. Et il y avait des glaçons tout autour, ça, c'était vraiment une expérience à faire. Au moins essayer de le faire au moins une fois dans sa vie. On continue? Catherine, c'est moins compliqué en français. Bah, c'est forcément moins compliqué, mais c'est rigolo de l'apprendre quand même. En plus, il y a du chocolat en jeu, je le rappelle, hein. Celle qui arrivera à me réciter tous les mots que j'ai cités en finlandais aura du chocolat finlandais, une tablette de chocolat. On est complètement fou en Finlande, bah oui. Alors, je continue. Mes trois faces avant, c'est ma face de jour. Alors je vous rappelle, il me reste plus que 5 morceaux de papier, j'en ai 2 de nuit et 3 de jour. Et je vous rappelle aussi que ma petite maison, ben, je suis venu la couper pour que j'ai vraiment les deux maisons sur le milieu. Et ben, je vais venir la mater ici. Ça va faire un encadré justement. Donc c'est parti, je retourne mon papier. Je mets un peu de colle. Et j'en profite. En finlandais, comment on dit? Ravi de vous rencontrer. Comme ça, vous allez pouvoir faire une discussion. Vous allez pouvoir dire bonjour, ravi de vous rencontrer. Je t'aime. Au revoir. Comment on dit? Ravi de vous rencontrer. Auska tavata. C'est simple. Auska tavata. Vous allez pouvoir parler le finlandais là, vous allez vraiment briller à Noël. Hein. Normalement, avec tout ce que je vous apprends ce soir, vous avez de quoi briller à Noël. Du coup, il me reste deux autres papiers, alors j'ai le choix. Soit je remets mes petites maisons ici, mais mes maisons, elles sont pareilles ici, hélas, donc ça fait bizarre. Soit je les retourne, et mes deux petites maisons, tout d'un coup, elles sont entourées par la forêt et après il y a d'autres maisons tout autour, ça va faire plus joli ici. Du coup, je vais les coller comme ça. On va venir mater ces papiers, pareil. Hop. Comme ceci. Donc ce morceau-là, je le colle sur la droite pour qu'il y ait la forêt qui entoure justement mes petites maisons finlandaises. Alors, personne n'a réussi à le redire dans les commentaires. Auska tavata. C'est simple pourtant. Je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à répéter le finlandais. C'est tellement simple. Je tiens à vous dire quand même que les Finlandais, c'est des gens très compliqués. Parce que pour dire bonjour, je vous ai dit que ça se disait moi, mais ça peut se dire de 13 façons différentes en fonction de la région dans laquelle on habite. Donc, moi, c'est la plus simple, mais il y en a d'autres, ben, c'est beaucoup plus compliqué de les retenir. Hop là, regardez.
Cette super vue comme ça. J'aime beaucoup le côté bois finlandais. Ça fait vraiment c'est des papiers. J'ai vraiment l'impression que c'est des papiers qui viennent de Finlande. Tellement c'est joli. Le côté enneigé, le côté bois des chalets finlandais, du sauna finlandais. Et cette vue panoramique comme ça sur la neige, les montagnes. J'aime beaucoup la courbe que ça crée au final. Le fait d'avoir échangé les deux, ça m'a permis de faire une petite montagne comme ça. Et ça fait vraiment un beau paysage. On dirait pas que c'est des morceaux qui viennent de la même feuille. Du coup, c'est parti. On retourne. Il me reste deux morceaux ici. Alors, pour les avoir en entier, je replie ma carte comme ceci. Bonjour Flo, pas de souci. Moi. Et il me reste mes deux morceaux de maison. Alors, ces deux morceaux de maison, je vais pas vouloir les échanger, bien sûr. Hein. Je veux que ma maison, elle soit en entier. Du coup, je vais en coller un morceau à droite, l'autre morceau à gauche, pour que ça fasse vraiment ma petite maison. Donc c'est parti. Un premier morceau ici. Voilà, sur la droite. L'autre morceau de ma maison. Sur la gauche, pas de souci. Bonjour Michaela, ça me fait plaisir de te voir. Moi, comme diraient les Finlandais. J'espère qu'ils vont regarder la vidéo et qu'ils vont nous entendre parler finlandais à chaque fois. Bonjour Sophie, bienvenue, ça fait plaisir. Je suis curieux de savoir comment tu m'as connue, si c'est ta première fois sur l'un de mes lives. J'espère que ça va te plaire. Hop. Ça fait vraiment un côté nuit là. Tout à l'heure, on était sur les chalets dans la journée, comme ceci ici. Et là, tout d'un coup, on a vraiment une ambiance de Noël de nuit, comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça soit caché derrière la carte. C'est-à-dire que la carte, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir comme ceci. C'est vraiment le côté lumineux de la neige et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a le petit secret de cette petite maison qui est caché, qui nous appelle pour Noël. C'est vraiment très sympa. Ma carte, elle est bientôt faite. Il me reste plus de papier. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de la déco à faire. Alors, pour de la déco, malheureusement, ben, je suis pas très malin quand j'ai voyagé. Quand j'ai voyagé, j'ai pris de l'encre Memento pour pouvoir faire des tampons. J'ai pris un bloc transparent pour pouvoir faire des tampons. J'ai même pris ma chamois synthétique pour pouvoir essuyer mes tampons. Et qu'est-ce que j'ai oublié de prendre? Bah les tampons. Donc j'ai pas de tampons ce soir pour pouvoir tamponner mes cartes. Du coup, tout ça ne sert à rien, mais chez vous, vous n'hésitez pas à faire une étiquette, à faire quelque chose. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de voir si les Finlandais, ils aimaient le scrapbooking. Et je me suis rendu compte que bah, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'endroits où on peut trouver des produits de scrapbooking. Mais j'ai trouvé un petit magasin de Noël très sympa qui proposait des étiquettes. Et du coup, j'ai trouvé un petit sachet comme ceci d'étiquettes finlandaises. Donc ça va faire plaisir à mes collègues finlandais. Et du coup, je vais utiliser l'une de ces étiquettes ici. Alors, il y a un mot dessus, ici, il y en a même deux. C'est marqué Uva Jolua. Est-ce que vous arrivez à savoir qu'est-ce que ça veut dire? On joue dans le sens inverse cette fois-ci. Je vous donne le mot en finlandais, il faut trouver ce que ça veut dire. Uva Jolua. Est-ce que vous arrivez à le trouver? Un petit indice, regardez ma carte. Regardez la thématique de ma carte. À quoi ça sert, à votre avis? Bonjour Valérie, pas de soucis, moi. Alors pendant que vous cherchez, ben mon étiquette, du coup, comme elle est déjà toute prête, je vais la retourner, je vais lui mettre des stampings dimensionnels. Alors, Uva Jolua, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous arrivez à trouver? Presque, Patricia. Essaye encore. Hop, j'enlève les petites glacines. Je pense que vous êtes tout en train de faire votre étiquette, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à commenter ce que ça veut dire. Hé hé. Uva Jolua, ça veut dire tout simplement joyeux Noël.
Parce que c'est une carte de Noël. Alors, ça s'écrit comme ça. Uva. Les Y, ça se dit U. Et les U, ça se dit OU. Pour chercher à faire compliqué. Donc, Uva Yolua. Malheureusement, j'ai pas de ruban. Sinon, avec le petit trou que cette étiquette elle propose, ben, j'aurais rajouté un petit ruban. Ça aurait fait joli. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la placer sur ma carte, comme ceci. Avec un effet 3D. Ça va plaire à mes collègues. Justement, je vais pouvoir leur offrir une carte finlandaise. Ils vont être heureux. Du coup, voilà. Ma petite carte est terminée. Une carte de Noël, Uva Yolua, qui s'ouvre, qui se déploie avec des paysages de Noël. Ici, avec un bout de la forêt et on a le reste de la forêt ici. Et de l'autre côté, si on la retourne dans l'autre sens, on a cette petite maison de Noël qui apparaît, qui est toute discrète, qui est cachée derrière. Et du coup, voilà. L'avantage de cette carte-là, c'est que vous pouvez la poser. Elle tient toute seule. Le fait qu'on est aligné sur le bas, ça nous permet justement de pouvoir la poser et de la mettre en avant sur, sur une étagère. Sur, quand vous l'envoyez, la personne pourra vraiment la mettre en avant. Surtout que c'est des beaux paysages comme ceci. C'est vraiment très sympa. Et comme je vous ai dit au tout début, ici, on a créé une petite pochette. Si vous voyez avec mon plioir en os, je peux rentrer à l'intérieur ici. Donc vous pouvez rajouter ici une petite carte cadeau, un petit mot, une petite étiquette, quelque chose. Ça fait vraiment une carte qui s'ouvre, qui se déploie, et dans laquelle vous pouvez glisser quelque chose, un petit cadeau, un petit billet, quelque chose pour Noël. Ça va vraiment être un très beau cadeau de Noël. Je pense que ça va plaire vraiment. Et du coup, voilà, cette petite carte avec des paysages finlandais est terminée. Hop là, Uva-Yolua, je vous le remontre, c'est très joli. Hop, alors j'enlève un petit peu mes glacines ici. Et du coup, la carte que j'avais fait au tout début, je peux vous la remontrer. Elle est ici. Alors il manque une étiquette, je vais la rajouter, tiens. Elle se déploie et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une forêt, vous voyez, avec des animaux. Donc il y a vraiment une forêt qui est vide et il y a un petit Bambi juste ici. Celle-ci, j'ai pas pris le temps encore de choisir un autre fond, donc je le ferai plus tard. Mais par contre, comme je vais l'offrir aussi à un de mes collègues, bah, je vais prendre les petits trucs finlandais que j'ai trouvés, les petites étiquettes. Je vais en prendre une, justement. Hop. Et comme ça me fera des cartes à offrir à mes collègues finlandais. Hop. Ça leur fera plaisir, je pense. Et puis, c'est original. Qui sait? Ça leur fera peut-être découvrir le scrapbooking. Et ils se diront, ah, c'est sympa. Et peut-être qu'ils voudront en faire avec nous. Et du coup, dans les commentaires, vous verrez des Finlandais qui parlent en finlandais. Hop là. Cette petite étiquette-là, pour pas trop cacher la forêt, je vais la placer là. Hop là. Uva Yolua. Ça va leur faire plaisir. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des cartes comme ça faites main en plus. En général, tu achètes des cartes en magasin, c'est vraiment juste la carte de base dans laquelle tu marques ton petit mot Noël, mais des cartes qui se déploient comme ça, je pense pas qu'ils connaissent. Du coup, je pense vraiment que ça va leur plaire. Voilà, mon projet est fini. C'était mon projet de ce soir en direct de Helsinki. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est très sympa d'avoir passé ce moment ici avec vous. Ça me manquait de ne pas faire de live avec vous puisque la semaine dernière c'était Halloween et du coup j'avais enregistré une vidéo pour éviter de devoir aller ouvrir aux enfants toutes les 5 minutes pendant le live. Mais du coup le fait de le faire en Finlande c'était un vrai petit challenge aussi pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je pense que quand je pourrai voyager de nouveau en Finlande, eh ben, on pourra continuer les lives justement. Puisque j'ai à disposition du coup ce studio qui me permet de pouvoir enregistrer mes vidéos ou de les faire en live. Du coup, j'hésiterai pas à penser à prendre les tampons la prochaine fois pour pouvoir vous faire des belles cartes. Mais voilà, ce projet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos cartes, celles que vous avez créées. Ça me ferait plaisir de voir du coup ce que vous avez créé. Et du coup, attention, attention, petite interro surprise. Alors, je vous ai donné plein de mots en finlandais pendant tout le live. Et le but du jeu, c'est de réussir à tous les dire dans l'ordre que je vais vous les donner. Celui qui y arrive, je vais faire un tirage au sort. Et la semaine prochaine, le gagnant aura gagné une tablette de chocolat finlandais. Je peux vous dire que le chocolat finlandais, une fois que vous y avez goûté, vous l'adorez à vie.
Du coup, on est parti. Petite interro surprise. Comment on dit? On commence, c'est facile. Comment on dit? Joyeux Noël. Comment on dit? Merci. Comment on dit? Bonjour. Comment on dit? Ravi de te rencontrer. Comment on dit au revoir? Comment on dit je t'aime? Et la petite question en plus, est-ce que vous arriverez à trouver comment on dit scrapbooking? Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec vos réponses et je ferai un petit tirage au sort du coup après. Merci à tous d'être passés, je vais repasser en caméra devant comme ceci. Merci à tous encore d'être passés pendant mon live. J'espère que ça vous a plu, puisque ce projet vous a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez le temps de regarder le live pour avoir les mots, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le temps et de toute façon, comme c'est un tirage au sort, ce n'est pas forcément le premier qui répond qui va gagner. Du coup, voilà. Bon live à vous, bonne soirée à vous. Ici, il est 20h30, donc je vais aller manger quand même un petit peu, même s'il faut savoir qu'en Finlande, ben, le dîner, on le fait à 17h en général. Donc je suis en retard, très en retard. J'espère que je vais trouver un endroit où manger. Et puis voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.